Et
Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha, et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent, il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oh.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessous de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche.
Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il désire cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 mains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour ton monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait là beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Alors, Jésus prit des pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils ont voulu. Quand ils furent mangés à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 mains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur parole. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Ce 17e dimanche du temps ordinaire, frères et sœurs, nous poursuivons la lecture de saint Paul aux Éphésiens. Et ce texte est particulièrement marquant dans notre cheminement de foi. Vous vous rappelez combien saint Paul exhorte ceux auxquels il s'adresse à former un seul corps. Ce corps dont il va être question pour nous tout au long de ce mois d'août, après ensuite, avec la lecture de l'Évangile au chapitre 6 de saint Jean, le pain de vie forme pour nous une invitation à être un seul corps, le corps du Christ. Et dans cette perspective, nous avons à vivre l'unité de l'Eucharistie au quotidien entre frères et sœurs. Donc il y a toute une exhortation de saint Paul avec ce qui concerne concrètement cette manière d'être un seul corps. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Et donc, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Cette unité que nous avons formée est l'unité même de Dieu. Et c'est notre témoignage au monde.
sommes disposés ensemble pour témoigner que Dieu est un et que nous sommes un avec lui. Et d'une certaine manière, c'est là la plus grande espérance que l'humanité peut accueillir, car ce qui nous fait du mal, ce qui nous travaille, ce qui nous perturbe à longueur de temps, c'est la division, c'est la tension entre nous, c'est les tensions entre nous, les impossibilités à se comprendre et à se conjoindre. Et au jour le jour, c'est une épreuve permanente. Comment arriver à travailler cette question de l'unité au-delà d'une perception trop étroite de ce que nous sommes, c'est-à-dire, comme nous le concevons souvent, une juxtaposition d'individus qui essaient de se bien s'entendre. Non, c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes une humanité une et qui a à partager l'unité de Dieu. Donc, ce travail, en quelque sorte quotidien, va toucher tous les détails de l'existence, du matin au soir. Lorsque je me lève disponible à vivre cette unité. Je serai attentif, je serai écoutant, je serai au service, je serai dans le partage. Je serai dans l'au-delà de moi-même, de telle manière que cette unité rayonne et qu'elle soit le message envoyé à tous comme un encouragement, une perspective, une direction, le sens de notre existence. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. Il ne suffit pas d'énoncer notre foi au double commandement de l'amour, en acceptant cela intellectuellement, il s'agit dans tous les détails de notre existence de voir comment on fait pour le vivre et de s'y encourager mutuellement. Et c'est donc ce à quoi nous allons être appelés en contemplant, à travers le discours du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, le mystère de l'Eucharistie. Car s'il y a un lieu où nous travaillons l'unité, c'est bien dans ce sacrement que nous donne le Christ. Le pain vivant que nous recevons nous réunit en un seul corps, le corps du Christ. Et là, nous sommes disponibles pour passer à Dieu, tout en vivant concrètement les uns avec les autres. Il y a donc là tout un programme de vie qui relève du mystère et du miracle, car il va beaucoup plus de soi de se disputer que de s'entendre. Il va beaucoup plus de soi de ne pas se comprendre que de se comprendre. Mais il est possible de se comprendre aussi. Et c'est vraiment là que nous pouvons accueillir le mystère qui nous transforme et qui nous fait, tel que nous sommes membres de ce corps, le corps du Christ. C'est là notre espérance. Bonne Eucharistie à tous. Wow. Seigneur Jésus.
que ceux-ci puissent se rassembler, afin de mettre la paix chacun dans son pays, et les uns avec les autres. Dieu notre Père, nous te prions. Cet esprit qui se donne, se partage, se reçoit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi de vous soit agréable à Dieu le Père et puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice. La louange et la gloire pour notre bien et celui de notre Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints. Pour ta grâce, au Père, avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours, que nous conduisons aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, continue son même dans le monde, et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, dans le Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de la grâce éternelle. En l'air venu, vous allez le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. On en avait parlé de partager avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
trouve l'homme qui craint le Seigneur, qui se complaît dans ses préceptes. Oh, non.